Wesh l'équipe, ça se sauve là, comment ça va? Moi ça se passe bien les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est Mehdi à la caméra, donc c'est moi qui va parler, qui va vous présenter le palace 5 étoiles les gars. Donc ma chaîne elle est en description, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, vous mettez un petit like et un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà la famille, donc on va commencer par le bar, donc je vais vous présenter. Entre parenthèses, déjà je suis en train de présenter, on dirait que je travaille dans l'hôtel, t'as capté, mais je suis un client, tu vois les deux. Donc voilà, donc c'est le bar de l'hôtel. Franchement, il y a la famille. Oh, vous prenez un déjeuner, oh, ça vaut à peu près 40 balles. On a pris déjà des déjeuners ici, etc. On a déjà mis quelques snaps des déjeuners, etc. C'est pas des déjeuners d'un hôtel 2 étoiles, mon pote. C'est vraiment un vrai déjeuner de Hatay. Tu vois le délire ou pas? Donc voilà la famille. Donc c'est d'une marque italienne. Donc c'est marqué Carucci. Alors, s'il y a 5 lumières là, c'est parce que. 5 étoiles. 5 étoiles, voilà. Donc voilà, donc la famille, regardez. Franchement, l'hôtel, c'est un truc de fou. C'est un hôtel palace 5 étoiles. Donc en fait ici c'est un restaurant le midi et le soir. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un truc de fou, franchement. La famille, les déjeuners, je crois que c'est combien par personne? C'est 45 euros je crois, comme ça. Non. 50 par personne. Ouais, non, c'est en fait, 39, ça... 39 livres. Ouais, 39 livres, ouais, mais ça fait 50 balles. Par personne, t'imagines, ça veut dire que si on prend un déjeuner à 3, ça fait 150 balles de déjeuner. Donc voilà, c'est quand même un peu pas mal. Vas-y, rentre. Ouais, je passe par là. Un petit paysan. Donc là c'est le bar. Donc là c'est le bar. Là ça va être la deuxième partie. Donc regardez, donc c'est les ascenseurs, etc. Là c'est le truc. Bon, vous présentez. Attends. Quoi? Alors, ici, là où vous voyez là, le deuxième truc. Alors généralement, ouais voilà, il y a un monsieur. Donc généralement c'est quoi? C'est concierge. C'est concierge, t'as capté. Donc voilà. Donc sur ce, bah on se retrouve à la deuxième partie, à tout de suite. Donc voilà la famille, donc là on se retrouve pour la deuxième partie, t'as capté. Donc là on filme cette partie, on filme la chambre là où on part, t'as capté. Donc là il n'y a aucune valise, etc. etc. C'est le moment où on part, parce que sinon vous aurez vu le bordel et tout, tu vois le délire ou pas. Donc voilà, donc je vais vous présenter la salle de bain qu'on a utilisée, tu vois. Donc attendez, là, une serviette frère, voilà. Donc franchement les gars, la salle de bain, c'est pas une salle de bain, c'est un jacuzzi. Toi t'es dans ta jalousie, moi je suis dans le jacuzzi. Voilà. Attends, appuie pas. Ici l'équipe, il y a un bouton select, t'appuies ça, voilà, qui a... T'as pas vu hein, tu m'as fait peur. Eh, ce bouton là, vous appuyez dessus, voilà, eh, il y a plusieurs modes, ça vous masse, etc. Regardez les boutons, tout ça, c'est propre hein. Franchement moi je suis grave, voilà. On est bien resté, voilà. Moi j'ai fréquenté beaucoup la douche. Donc voilà, donc c'est comme ça, donc voilà, coucou tout le monde. Donc voilà, donc là bah là c'est les sacs qu'on a acheté, là c'est les sacs de vêtements qu'on a acheté, tu vois. Donc voilà, donc c'est les lits ici, donc deux grands lits, tu vois le délire. Donc voilà, et puis voilà, donc c'est comme ça. Donc là il y a là pour tout ça, il y a un téléphone aussi pour appeler pour livrer le déjeuner, le restaurant, tout ça, etc. Là c'est vraiment luxe hein, la famille, voilà. Encore là, parce que là vous voyez c'est le bordel, etc. Mais quand tu rentres, mon gars, tu restes choqué. Les sièges ils sont mal, on les a poussés, etc. Donc voilà, donc là c'est un coffre-fort. Là c'est un frigo, on n'a rien mis dedans, à part on avait mis deux bouteilles et du KitKat Fanta. KitKat et Twix. Puis voilà, donc là c'est la vue, mais on peut pas ouvrir la fenêtre parce que Jean Zarma, au cas où si on vole ou la haja, tu vois, des trucs, etc. Donc personnellement la vue elle est pas... Elle est pas nulle en réalité la vue. Enfin, il n'y a pas de choses impressionnantes, mais c'est mieux que d'avoir, tu vois, un trou, tu vois, il y a des bâtiments, tu vois. Là, il y a des bâtiments, il y a un peu de verdure, etc. Donc voilà, donc là, c'est l'acier. Ah, c'est un code barre sanskrit. Ouais, c'est un genre de code barre. Essayez de le prendre. Mais filme pas sur le côté. Okay. Donc voilà, donc c'est à peu près le gros tout de la chambre, je pense avoir tout dit. Donc ça, c'est les... Ça, c'est les sacs qu'on a acheté plein de vêtements, etc. Et puis voilà. Sur ce, la famille, troisième partie. Donc voilà la famille. Donc voilà, donc on est à la piscine. Donc mon petit frère va faire une bombe. Fais une bombe. Allez, dépêche-toi.
Pardon. C'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Donc voilà, la famille, donc, on est à la piscine, donc elle fait 25 mètres de longueur et 2 mètres et quelques de profondeur. Donc voilà, la famille, donc. Alors, t'as kiffé la bombe ou pas? Vraiment, je prends les fait. Donc voilà, donc là c'est un sauna. Là c'est un sauna, mais beaucoup. Lui il est trop chaud. Après là-haut il y a un truc de gym, de spa, de massage, etc., etc. Donc voilà la famille, donc sur ce, bah c'était. Fais ton intro. Hein? Fais ton intro. Ton outro. Ok, donc viens là-bas. Il veut aller là-bas. C'est un fou. Viens, on le fait là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, la partager à tout le monde. Et puis voilà, et sur ce, c'était Magic. Et n'oublie pas ma chaîne, in the quoi? In the description. In the description. Mais anglais, il se problème. Ouais, voilà. Mets un pouce bleu.